Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec vous quelle va être l'ampleur de la crise économique associée et postérieure à l'épidémie de coronavirus et quel pourrait être son impact final sur les marchés compte tenu de l'expérience qu'on a de l'historique des récessions des dernières décennies et du dernier siècle. Alors concernant la perte d'activité, il y a l'INSEE qui a publié hier une première estimation que je pense sérieuse et assez fiable, hein, qui dit que donc chaque mois de confinement qui passe comme on en a en ce moment va coûter environ 3 points de PIB à la France parce que l'activité elle est réduite actuellement de 35%. C'est très variable selon les secteurs. L'agriculture, l'agroalimentaire sont très peu impactés et d'autres secteurs, évidemment, tourisme, commerce, bâtiment, etc., eux sont très fortement impactés. Alors actuellement, on se dirige vers un confinement qui durerait apparemment au moins un mois et demi. Il est question d'arrêter ce confinement à la fin du mois d'avril. Si le gouvernement continue dans sa politique suicidaire actuelle, qui est de continuer ce confinement, qui est une politique moyenâgeuse, et de le prolonger 2 mois, on aura 6% de PIB d'entrée de jeu de récession. Si ça dure 3 mois, ça sera 9%, etc., jusqu'à un moment où il n'y aura plus d'argent pour payer la police, pour bloquer les gens. La bonne stratégie étant évidemment de faire ce que fait la Corée et d'autres pays, c'est-à-dire un dépistage massif de la population et un confinement sélectif des malades, afin de, évidemment, que le virus ne se propage plus, mais certainement pas ce qui est fait en ce moment. Bon, cette parenthèse mise à part, donc pour l'instant, si on va sur un mois et demi de confinement et qu'on arrête ça à la fin du mois d'avril, on aura d'entrée de jeu perdu 4,5% de PIB. Ça ne va certainement pas s'arrêter là parce que si le confinement cesse à la fin du mois d'avril, l'économie ne va pas repartir d'un coup comme ça au rythme qu'elle avait l'année précédente. Il faudra évidemment du temps pour remettre les machines en marche, il faudra du temps pour relancer des secteurs d'activité clés comme le commerce, les transports, le tourisme. Le tourisme, j'en parle même pas, ça va durer sans doute 5 mois, 6 mois, le temps que l'épidémie dans le monde entier commence vraiment à se dissiper. Le tourisme à lui seul, c'est 7 à 8% du PIB français. Donc, vous mettez 6 mois de tourisme totalement en berne, c'est 3, à peu près 3,5% de PIB qui partent en fumée, en plus du mois et demi de confinement qu'on a eu. Donc, moi, ça me semble raisonnable d'estimer que le PIB français va reculer à un niveau de l'ordre de 7 à 8% sur l'année 2020. Bon, l'INSEE l'a montré, hein, 3% par mois, un mois et demi de confinement, c'est 4,5% de PIB en moins. Et j'ajoute à ces 4,5% encore 3% liés au temps qu'il faut pour faire redémarrer la machine, pour que la confiance reprenne un peu, pour que le tourisme finisse par lui aussi repartir au second semestre et même plus tôt à la fin de l'année 2020. Donc, bon, je pense pas que mon estimation soit si pessimiste que ça. Je pense qu'elle est réaliste et peut-être même un petit peu optimiste. Alors, si maintenant on compare cette récession potentielle à moins 7, moins 8% du PIB sur 2020 à ce qu'on a observé sur les récessions passées, donc là on a un graphique, hein, j'ai mis la France et les États-Unis. Les chocs pétroliers des années 70, les récessions inflationnistes des années 70, vous voyez ici, moins 0,25% du PIB, moins 0,54, moins 0,21, moins 0,26, moins 1,80 pour la grosse récession du début des années 80 aux États-Unis. Bon, c'est quand même pas énorme. La grosse crise de 2008, moins 2,8 à moins 2,9%, hein, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Donc, on partirait vers une crise qui serait au moins 3 fois plus forte que la crise économique de 2008-2009. Alors là-dessus, il y a des commentateurs qui racontent que oui, mais bon, 2020, c'est moins grave parce que c'est juste un choc externe, ce n'est pas une crise financière.
Là, évidemment, il croit complètement au Père Noël, hein, parce que une crise de cette ampleur, elle sera forcément, évidemment, une crise financière aussi, parce qu'il ne faut pas croire que les banques vont bien s'en tirer. On va avoir des tas d'entreprises en faillite, des ménages qui vont être mis au chômage, qui vont perdre leur emploi, des tas de défauts d'emprunteurs qui vont forcément arriver ensuite jusqu'aux banques et mettre le système financier en difficulté. Donc on aura forcément à la fois une crise économique et financière qui impactera un système qui était surendetté à l'extrême au départ, donc particulièrement fragile. Si on regarde maintenant l'impact de ces petites crises précédentes, hein, des années 70 et de 2008 sur les marchés financiers, donc, vous voyez que la récession 2008 ici a donné lieu à une baisse supérieure à 50% des indices boursiers américains, proche de 60% en France. Les successions de petites récessions inflationnistes des années 70, lorsqu'on prend en monnaie constante, vous voyez qu'au début des années 70, fin des années 60, on était à 700. Et on a fini à 284 ici en 1982, donc une baisse là aussi de l'ordre de 60% exprimée en monnaie constante. Donc maintenant, je vous pose simplement une petite question. Est-ce que vous pensez sérieusement que cette petite baisse qu'on observe là, bon, même si elle a été violente, elle a été rapide, même si c'est la plus forte qu'on ait observée depuis plus de 100 ans en entrée de jeu de marché baissier, est-ce que vous pensez que cette petite chose-là puisse représenter un point bas dans un contexte où la crise économique qui s'annonce va être 3 fois plus forte, par exemple, que celle de 2008? Bon, moi, la réponse, en tout cas, elle me semble tout à fait évidente. Certainement pas. On n'en est qu'au tout début de la baisse des marchés boursiers. Alors, si on regarde plus loin dans l'histoire, il y a un seul moment dans les 100-150 dernières années où on a observé des récessions à ce rythme-là, à des niveaux de moins 7, moins 8% du PIB. C'était dans les années 30, hein, la crise 1929-1932 aux États-Unis, où là, effectivement, on avait des niveaux de recul du PIB, moins 8% en 1930, moins 6,4% en 31 et moins 12,9% en 1932. Cette crise de 1929-1932, elle avait donné lieu, vous voyez, l'indice boursier 474, et on est passé au plus bas de la crise. Ça n'est pas représenté correctement sur le graphique, mais on avait eu une division par presque 10 des indices américains. Donc pour moi, très clairement, au-delà des rebonds temporaires de quelques semaines, peut-être de quelques mois, mais là j'en suis vraiment pas sûr. En tout cas, au-delà des rebonds de quelques semaines qui pourraient se manifester lorsque l'épidémie va se dissiper progressivement et que les gens vont reprendre confiance, le marché baissier n'est certainement pas terminé et ça serait tout à fait logique qu'on retrouve sur les indices au moins des plus bas sur les niveaux du milieu des années 90, hein, à savoir de l'ordre de 1500 points pour le CAC 40. Et de l'ordre de 600 ou 700 points sur l'indice SP500. Voilà pour ce petit commentaire sur ce qu'on peut attendre de l'économie dans les années à venir. Ça n'est pas bien joyeux, effectivement, mais il ne faut pas oublier non plus que de telles crises, des crises d'une telle ampleur, génèrent aussi des opportunités tout à fait exceptionnelles. Donc il y aura certainement beaucoup de choses à faire pour des investisseurs avisés dans les 3 ans qui viennent.